Pour la nature morte, j'ai choisi de composer une vanité. Ce genre était très en vogue au XVIIe siècle aux Pays-Bas. Le crâne, la bougie, le globe évoquaient le temps qui passe. Très souvent, ces compositions faisaient appel au clair-obscur. Pour composer les éléments, j'utilise du grès de Payne auquel je mélange du rouge de cadmium, du jaune indien pour créer des sous-teintes. Très souvent, cette composition est géométrique. Pour créer mon clair-obscur, j'applique par zone des couches sombres pour petit à petit éclairer la scène avec de l'ocre jaune. Pour faire apparaître les éléments de la composition, je vais utiliser une association de couleurs à base de bleurex pour le globe, un gris fabriqué pour le bougeoir, un blanc de zinc avec de l'ocre pour définir le crâne. Pour unifier l'ensemble et éviter les embûches, je brosse l'ensemble du tableau. Enfin, pour faire naître la lumière, je travaille les ombres portées avec du gris de Payne, du bleurex et du rouge de cadmium. La technique du clair-obscur permet de faire apparaître une composition de la pénombre.